La sélection de Côte d'Ivoire U17 a largement dominé le Niger 6-1 lors de la deuxième journée de la Coupe UEFA-AB des moins de 17 ans, dans le groupe A. Battue par le Bénin, la Côte d'Ivoire a parfaitement réagi face au Niger qui avait également perdu 1-2 contre le Burkina Faso. Les éléphantaux ont corrigé les menaces 6-1 lors de la deuxième journée du groupe A de la Coupe UEFA-AB U17. Les éléphantaux récitent leur leçon de football. Le Niger a pourtant ouvert le score à la 12e minute sur un but de Yanni Ali Issoufou. Les éléphantaux ont réagi dans la foulée par une égalisation de Ngoran Emmanuel, 15e, avant que Nambagi Daouda, milieu de terrain du Lanfiara FC, ne double la mise quelques minutes plus tard, 17e. Lirosi Gbowo suspendu pour 18 mois, le président Idriss Diallo va venir en aide aux gardiens des éléphants en pleine furie. Les hommes de Deao Lassina ont inscrit un troisième but à la 26e grâce à Inza Armand, puis Yann Diomandé, 37e, a inscrit le but du 4-1. L'attaquant du CFI Abouasso a réalisé le doublé juste avant la mi-temps, 45-2, s'offrant ainsi un troisième but dans la compétition. En seconde période, la petite Selefanto a aggravé le score par une réalisation à la 87e minute de Doumbia Abdoulaye, attaquant de l'AS Dabou. Les éléphantaux sont les champions en titre de la Coupe UEFA-AB U17. Les éléphantaux, tombés 2-1 lors du premier match, ont l'avantage d'avoir inscrit énormément de buts, ce qui pourrait être un atout en cas d'égalité de points à l'issue de la troisième journée. Le second match de cette poule oppose actuellement le Bénin, premier, au Burkina Faso, deuxième. Rappelons que les éléphantaux sont les champions en titre de la Coupe UEFA-AB U17. Sacrés en janvier 2021, ils étaient censés disputer la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, U17 la même année, mais la compétition a été annulée en raison de la crise sanitaire mondiale. Malgré la défaite en ouverture, tout reste possible pour les éléphantaux qui rêvent de rééditer le succès.